me. Yes, I'll be your baby. Yes, I'll be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I'll be your girl, forever your lady. You ain't never gotta worry, I'm down for you, baby. Ça faisait du bien parce que c'était une période où on enchaînait beaucoup de matchs. Généralement, on en avait deux dans la semaine avec des déplacements, des matchs à domicile. Donc oui, ces jours de repos étaient bien. Oui, parce qu'avec le repos qu'on a eu, on peut être prêt. Ça nous a vraiment fait du bien, ça nous a permis de recharger les batteries. Donc oui, je pense que physiquement, on est bien pour pouvoir finir les deux matchs. Non, l'adaptation s'est très bien passée. Mes coéquipiers sont super bien occupés de moi, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Je pense particulièrement à Abdel, qui a vraiment joué ce rôle de grand frère pour moi depuis le début de la saison. Et ensuite, par rapport à mes minutes, j'ai été surpris d'en avoir autant aussi tôt dans la saison. Et j'ai su montrer ce que je pouvais faire et le coach m'en a donné l'opportunité. Et je suis plutôt satisfait et fier de ma première saison 3. Ouais. Ça a été beaucoup plus simple pour moi parce que je m'étais préparé assez tôt, notamment dans mes derniers mois à l'INSEP, je me préparais déjà. J'y étais plutôt très autonome. Donc après voilà, chacun se crée sa petite routine et c'est la même qui se répète à tous les jours. Quoi. Cholet, c'est une équipe assez qui nous avait beaucoup dérangé sur le secteur intérieur. Je pense à deux gens qui nous avaient pas mal embêtés sur le match aller. Et là, ils se sont renforcés sur le secteur du meneur de jeu avec Dashon Wood, qui est un gros joueur, qui est vraiment leur pièce à jouer. Si on contrôlera, je pense qu'on aura fait plus gros du job. Nous, notre jeu est beaucoup basé sur l'adresse, donc c'est sûr que pour exister, il va falloir continuer de mettre nos tirs. Et pour l'instant, sur quelques matchs, sur les derniers matchs qui ont eu lieu, on a été super adroit et on espère continuer sur cette lancée. Ouais, je vois bien Monaco. Je mettrais bien une pièce sur Monaco parce que c'est une équipe qui a été dominante tout le long de la saison et qui joue vraiment très très bien, qui dès qu'elle déroule son jeu, elle est quasiment inarrêtable de jouer.